Alors, je suis avec Monsieur Jean-Pierre Leleux, sénateur des Alpes, Les Républicains des Alpes-Maritimes, et vice-président de la commission culture et membre de, de la commission des affaires européennes. Donc, Monsieur le sénateur, vous êtes spécialiste des questions liées à l'audiovisuel et au patrimoine. Aujourd'hui, nous sommes au déjeuner de la filière musicale. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est la place de la musique dans la culture aujourd'hui ? Écoutez, aujourd'hui, c'est la fête de la musique. Tous les Français vont entendre de la musique, comme au fond, tous les jours. Et on écoute tellement, on vit tellement avec la musique, quotidiennement, à côté de nous, dans notre voiture, dans notre salle de bain, dans les rues, qu'on oublie parfois que c'est une dimension très importante de la culture. On l'oublie parce qu'elle est en nous, elle est à côté de nous. Et que donc, elle mérite quand même... qu'on s'en occupe parce qu'il s'agit non seulement d'un plaisir des oreilles et de l'esprit, mais c'est aussi une industrie. Et c'est aussi un merveilleux vecteur de la France, à la fois dans son pays, mais à la fois à l'étranger. Et donc dans la culture, je crois que la musique, non pas qu'elle fût délaissée, mais on vit tellement avec que parfois on oublie de s'en occuper ardemment. Donc voilà, moi je suis là pour encourager la filière musicale, qui est une filière qui mérite aujourd'hui d'être soutenue et encouragée et aidée et faire partie d'une stratégie de l'État, car elle fait vivre un très grand nombre d'artistes qui assurent une diversité phénoménale de l'expression culturelle, du classique jusqu'aux expressions les plus contemporaines. Et que c'est assez merveilleux que de vivre à côté de cette création musicale. Et alors, quels sont les principaux défis que doit relever aujourd'hui cette filière musicale et comment les relever avec les représentants de l'État ? Je dirais que les défis, il y en a beaucoup. Le premier défi, c'est de s'unir. C'est que la filière arrive à s'entendre dans toutes ses composantes, de manière à enfin créer ce qu'on attend depuis des années, le Centre National de la Musique, puisque la musique, au fond, comme je le disais tout à l'heure, on vit tellement avec qu'on oublie de la structurer, mais là, nous avons besoin de la structurer. Et donc, un des défis, c'est l'union au sein du Centre National de la Musique et de dépasser un certain nombre de clivages pour être regroupés, pour faire progresser le soutien à la filière musicale. Deuxième défi, je dirais qu'il est l'exportation. Actuellement, on est conscient, et le gouvernement d'ailleurs est conscient, puisque les aides à l'export ont été soutenues, voire amplifiées. Mais je pense vraiment que la musique française et la chanson française aussi, dans toute son histoire, et on y reviendra, a été un merveilleux vecteur de présence dans les oreilles des étrangers, dans leur pays. Et donc là, c'est un autre défi de soutenir l'exportation, qui sont évidemment des actes qui sont plus coûteux, mais qui sont la présence, une partie de la présence de la France à l'étranger. Et puis, après, le troisième défi, c'est de mener dans un contexte de financement qui se raréfie, on est tous conscients d'avoir des politiques tout à fait particulières pour les créateurs émergents, c'est-à-dire pas forcément les jeunes, mais les jeunes qui ont envie de s'exprimer d'une façon nouvelle. Et c'est vrai qu'on est plutôt tendance à aider ce qu'on connaît, mais pas forcément ce qu'on ne connaît pas. Or, le vivier de la musique de demain, ce sont les jeunes créateurs d'aujourd'hui. Donc voilà, c'est à peu près trois défis que je peux avoir à l'esprit au moment où vous me posez la question. Et quel message souhaiteriez-vous faire passer à ces jeunes, aux artistes et aux acteurs de la filière, justement, pour relever ces défis ? Bah, écoutez, les artistes ont toujours été des personnalités à la fois indépendantes, qui n'aiment pas forcément de rentrer dans des moules. Et donc, je leur dis, restez libres, libres de votre création. Mais si vous pouvez vous fédérer d'une certaine manière pour faire progresser la filière musicale, pour créer, innover, parce que on entend parfois dire qu'on a épuisé
la création depuis maintenant quelques générations, mais en la voyant évoluer dans ses styles qui se succèdent, tout en s'inspirant du passé, et c'est là l'aspect patrimonial aussi de la musique, on se rend compte que la création est loin d'être terminée et qu'il y a encore des champs entiers de l'expression musicale et artistique à explorer, et j'invite donc ces créateurs à y aller, même si parfois ça peut choquer une opinion contemporaine. Pour terminer, pour célébrer cette fête de la musique, je souhaitais vous demander quel est le premier concert auquel vous avez assisté ou le premier album que vous avez acheté. Écoutez, moi je suis un issu d'une génération, on va dire classique, mais quand même très imprégné de musique des années 60. Malheureusement, c'est mon âge qui veut ça. Et c'est vrai que toute la période de Johnny, des Chaussettes Noires, de Dick Rivers, etc., je les ai évidemment, je m'en suis baigné. Mais par rapport à ce courant, je suis très proche de l'œuvre de Georges Brassens. Et mon premier disque, ça a été un disque de Georges Brassens. Et simultanément, et ça peut paraître paradoxal, j'avais acheté, grâce à l'aide de ma sœur et de mes parents, un disque d'un artiste américain qui s'appelait Dion, dont on a finalement très peu parlé, mais qui m'a ravi. Et c'était une musique évidemment américaine de l'époque. Et ce sont les deux disques que j'ai achetés la première fois. Je devais avoir 16-17 ans. Merci beaucoup, monsieur le sénateur. Je vous souhaite une excellente fête de la musique et un excellent déjeuner de la filière musicale. Merci beaucoup. Au revoir.